Pour moi, il y a en Angleterre, il y a Alfred Hitchcock, et en France, il y a Henri-Georges Clouzot, qui est un des plus grands cinéastes français. Henri-Georges Clouzot, c'est l'Assassin Beethoven 1 qui ressort remasterisé totalement avec Suzy Delair, qui est toujours, car elle est toujours parmi nous, une des plus grandes actrices de ces années-là, et Pierre Fresnay. Henri-Georges Clouzot, c'est également Quai des Orfèvres, c'est Le Salaire de la Peur et Les Diaboliques, pour ne citer que cela, et le film qu'il avait fait avec Picasso, ainsi que le fameux film qu'il a jamais fini, L'Enfer, avec la regrettée Romy Schneider. Là, il réédite pour une somme de 19 euros, remasterisé totalement avec une copie neuve totale, un noir et blanc absolument sublime, L'Assassin habite au 21, qui est absolument un chef-d'œuvre. Il y a dedans un acteur que j'adore de ce qu'on appelait à l'époque le second rôle, c'est monsieur Jean Tissier, qui est absolument énorme.